Bonjour, bon après-midi, bonsoir. C'est toujours même moi-même là, Asnik Belize, dans Baznik Show, qui entre la KO avec coup anglais numéro 9 là. J'ai regardé là, c'est coup anglais numéro 9 là qui va le démarrer pour vous là. N'a dit merci à toute fanatique sur ça qui toujours été abonné sur channel ça et qui toujours prétendant on va de nouveau et qui toujours partager sur ça avec toute l'autre social media qui ont utilisé. Nous vous remercions pour support. Et nous pouvons avancer avec coup anglais numéro 9 là. Je vais regarder à la jeudi à moi été décidé bah nous toute partie encore nous en anglais pour nous connaître et comment pour dire. Non seulement ça, moi fait bel petit tonton ça et pour mettre là dedans tout, c'est parce que gan, tout le monde gon façon qui apprendre et non seulement que sous pata avli choisi garder en créole même les définitions là comme on dit qui ça voulait dire en créole là mais au cas simplement garder tableau et garder tout tonton et puis tout regarder pour ouais qui ça voulait dire comme si que la gens va mémoriser la gens la travail dans mémoire là ça va faire l'onti gens plus facile pour vous c'est raison là qui fait que moi fait tonton m'te doit même pas besoin faire même et l'étape toujours facile en façon que pour capable comprendre même penser que et mettez là dedans un petit genre vinaigre d'eau non façon qui pour faire plus facile sous pas d'avoir choisi garder pour ça veut dire en créole ok quand y a moi ça va faire moi pral dire tout mot en anglais pour comment yo prononcer et l'aura dit au même pour capable dire bien tout et lion l'autre bagage que me fait encore garder numéro yo t'as supposé marcher avec moyo là et j'ai regardé le souhait ça là ou toi l'animé et c'est ça qu'elle veut dire en créole ok pour jusqu'à ce qu'elle finit mais moi papa dit ou pas besoin de tête problème comme si que pour aller dans nombre comme si pour tout nombre aller et en sequence comme si vous pas besoin de ça c'est simplement moi faire pour capable ouais comment et si vous voulez qu'on ait qui mot de qui mot et si vous voulez qu'on ait comment vous traduire mot ça et vous pouvez aller là dans le numéro pour capable jouer ces réseaux ça qui fait mettre numéro yo mais yo pas besoin d'aller en ordre ok en tout cas nous pour aller m'a commencer avec premier numéro c'est hair ok après ça nous avons eyebrow eye ear nose mouth neck shoulder arm nipple breast chest, hand, finger, stomach, waist, penis, vagina, leg, knee, ankle, foot, feet, toe, toes, forehead, tooth, teeth, chin, and elbow. OK? So c'est comme ça que ou dit en anglais. Now, si ou même ou t'as besoin de qui ça que vous voulez dire, ou après regarder là, ouais, qui ça vous voulez dire. Avant que nous même entrer pis fond dans tout le reste de yo, gen en pile l'autre petit bagage que nous t'as ramené, fait nous connaître. Ok? Lorsque nous connaissons et moi yo comment pour prononcer yo, qui ça comment yo prononcer en anglais, ou pas fini là. Et par exemple, si vous regardez que on bagaille et gen de mots que mettez deux mots yo même bagaille mais yo gen deux mots ça faut pas comprendre pour qui raison qui fait que gen deux mots là ou gen deux mots tooth et puis tout gen teeth OK qui c'est qui veut dire même bagaille qui veut dire tous les deux veut dire dents en créole nous connaît pas gen pluriel pas gen singulier c'est gens parle parler à ou bien un mot qui vient après là qui parle qu'on faut connait que et est-ce que c'est moi en pluriel ou bien le singulier? So, c'est en anglais lui-même, en pile cas, pas même genre. C'est ça fait ça, regardez deux mots ça y est. Yon c'est singulier, yon c'est pluriel. Ok? So, et pas tout mot comme si qui est pour en anglais, simplement pour le pluriel ou simplement mettons S la donne ou bien on IS, on ES. Ok? C'est pas tout mot en anglais qui bagaille comme ça. So, c'est ça fait ça que ou après. Ou après deux mots ça ou là ça veut dire yo changer tout bagay obligé changer parce que et l'obligé changer parce que ou pas besoin et pas un s pour mettre la dedans ou bien un es pour le venir au pluriel moi changer complètement et soit regarder là changer ou regarder dans foot
aussi avec fit les changer tous là pas changer aussi on met ton s là dedans. OK, now debout ta ouais tout ou connaît mon n'a parlé de on grain dedans. Par exemple, si on don formal ou a dit my tooth hurt. OK, my tooth hurt. Now si tout dent ou bien gain plus que deux dents, plus que deux dents ka formal ou bien gain plus que on dent ka formal ou a dit teeth. OK, plus que on dent ça veut dire gain deux dents ka formal ou a dit my teeth. OK, my teeth hurt. Now, pas oublier, pas mettre ES ou bien même leur texte son monde ou bien écrit, c'est pas mettre ESDL, c'est simplement mot à changer complètement. Et même genre pour foot c'est singulier, fit c'est pluriel là, OK? Là, on regarde pour que me gain penis avec vagina. So, sous son garçon gain penis qui veut dire cock et puis tout gain vagina qui veut dire bobot. OK? So, l'op charge wap ça va dépendre qui sexe ou y pour connait qui est pour dire et qui gens pour parler. OK, même j'en dit ti fi a ti garçon, on connaît en anglais on dit male and female. So et puis mon an dit male ou bien female, ça veut dire tout fille ou garçon. OK, après ça qui ski l'autre gain là encore ou gain nepo, après ça gain breast. So nepo c'est point tété, dire ça c'est point tété. Je vais regarder là, dit là point tété. Et puis tout, breast là qui c'est TT. So, OK? Et le plus souvent, nous toujours dit nepos pour nepo, pour ou dire pour fille ni pour garçon, mais le plus souvent tout, pour qu'il doit plus tendil, il a parlé de et pointe de un garçon quelconque. Mais il a parlé de breast fia, tant que par exemple, vous fille qui a ba un petit monde TT, il a toujours dit breastfeeding, ça veut dire li bay TT. Breastfeeding, feeding qui veut dire bay manger. Vous comprenez? C'est ça que li veut dire. Après qui l'autre encore nous gagne, qui l'autre d'ailleurs gagne encore, une dame mon petit tire attention ensemble avec et reste l'autre mot ça tant qu'on gagne ou gagne eyes nous tout déjà connaît et soit on parler d'un grain gel là soit parler de tous les deux on mettre un s la donne on mettre un s plus fort ça là on simplement mettre un s l'air ou gagne plus que yon. OK, pour qu'a faire mon yo connaît pour nous qu'a connaît les ça mais et maintenant qui sens quoi parler, est-ce qu'on parle au singulier ou bien pluriel. So now l'enfin après une bagage ça ou bien sous ta rien mais si tu t'entends pas assez pour comprendre ou bien doit choisir venir dans l'autre bois et ou garder numéro a hair qui veut dire pour garder pour qui ça veut dire ou déjà connaît hair qui veut dire cheveux après ça il gagne front sourcil j'ai oreille nez bouche dents menton numéro 9 là chain ou bien nous toujours dit lambababine bah oui nous toujours dire parfois nous les lambababine ou bien quelconque mais menton j'en dis là n'importe ça facile pour on côté gain droit gain des noms différents. OK, après ça gain numéro 10 qui c'est cou ou gain zepol bois qui c'est numéro 12 là c'est amou tout nom nan net c'est bois et comme ça le plus souvent nous même nous relé en créole. Après ça gain coude et numéro 13 là elbow qui c'est coude ou bien en bas bras ou et pas en bas bras non d'accord va dire on connaît c'est coude ça m'a bon m'arrêter avec coude là pour pas troubler tête moi tout. OK, après ça soit continuer après coude là n'a bien ou bien point tété après ça gain tété après ça gain poitrine qui c'est l'estomac ou bien l'estomac nous dit l'estomac tout après ça c'est chest ou lié lié chest ou en anglais c'est des mon dieu chest ça parle de poitrine là parle de l'estomac lié après ça gain mais douet dans douet là moi pas entrer non paquet détail dans douet là et parce que m'ta supposé montrer nous ou gain chaque moun gain 5 douet non mais m'ta supposé dire nous qui ça chaque grain douet yo comme on dit en anglais si que ta aimer connait fait me connait et m'a mettre yo non l'autre vidéo m'a mettre yo à part pour capable montrer li qui ça que yo vle di qui comme on relé yo quand nous connait les pouces l'index j'en quand cité en créole là ou bien en français là. Et même genre tout chaque gain un nom différent on prend chaque petit doigt un nom différent. OK, après ça on gagne ventre qui c'est estomac ou après ça on gagne taille qui c'est taille c'est waist ou ça veut dire ça que les ceinture là c'est waist ou c'est dans ceinture my waist. On prend d'ailleurs par fond de rap dit ah dame ça gon belle taille on prend ni gon belle ceinture on prend so c'est waist. OK, waist
Après ça, nous avons coq avec bobotte, qui c'est penis pour garçon et le vagina pour fille. Okay? Après ça, nous avons leg, qui c'est jambon. Après ça, nous avons genou. Après ça, nous avons cheville. Cheville, qui c'est numéro 22, qui c'est nil. Nil, non nil. Comme si on écoute un petit zoo à l'épisode, tout zoo ça, sous ta barre, il n'y a pas de remplacer. C'est chez vous, il est là. Après ça, c'est niou, et puis c'est chez vous en créole. Après ça, il y a un pied. Dans le numéro 24 là, qui c'est pied. Pied, bon pied, c'est fit là. Et puis tout, après ça, qui c'est fit and foot pour singulier. Et puis tout, pluriel, c'est de ça, deux mots, ça veut dire. Après ça, il y a un zotey. Zotey, yo. Même genre avec pour finger yo yo chaque jour te yo bon gien un nom différent ba météo tout encore sous ta main connaît femme connaît et puis tout pour me remplacer remplacer yo remplacer pour me faire l'autre vidéo pour me montrer qui ça que yo veut dire. OK, eh bien on pas prêter en pile nous connaît pas jambe veut trop long, c'est tout ça me te gien pour nous et abonner partager et faire l'autre monde joindre accès ensemble avec ça. Moi dis nous merci pour tout le monde qui était rete tendez petite vidéo ça pour jusqu'à ce qu'on arrive dans finissement et rete branché pour une autre vidéo et cap venir encore. C'était toujours même moi même là à Sneak Belize dans Baznik Show. Merci, à la prochaine, bye bye.